Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exclusivement consacrée à la visite du jardin. Donc là j'ai pris les polières de façon à pas vous donner trop le mal de mer. Avec le trépied des fois ça se barre en sucette. Donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, on va prendre notre temps aujourd'hui. Donc l'année dernière, à la même période, j'avais pratiquement pas de carré de fait. Je devais avoir juste ce coin-là. C'était des friches partout. J'avais laissé la nature pendant un an et demi reprendre ses droits. Mais il y a plusieurs années en arrière, j'avais planté pas mal d'arbres. Donc là, le fait de les éclaircir, entre guillemets, ça a donné beaucoup de fruits dans les arbres. Donc je me suis amusé à mettre des pieds de tomates aux fruitiers, tous les fruitiers. Là c'est le coin des poules, donc elles ont à peu près 200 mètres carrés. Elles pondent dans une ancienne serre. J'ai projet de faire un toit végétal dessus, parce qu'à l'été j'ai peur qu'il fasse chaud. Nous avons de la vigne qui est là. Donc il y a trois pieds de vigne. Il y en a un autre au niveau de la limitation des poules. Et encore un autre un peu plus haut. Là c'est l'endroit où j'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi, mais des pieds de capucine pour les sauver. Ça c'est une plante qui a goût d'huître. C'est assez fun. Tout ça c'est des épinards. Des épinards, des tomates, des poivrons. Là c'est un pied de pamplemousse, vous voyez, que j'ai acheté 3 balles parce qu'il faisait sale mine. J'essaye de le retaper. Il y a le citronnier 4 saisons qui ouvre sa première fleur et qui refait des feuilles, sachant qu'il avait pris un petit coup de gelée à moins 3 dehors. Donc il y a beaucoup de choses ici que je vais donner. Regardez la vigne. Il y a beaucoup de choses ici que je vais donner parce que j'ai fait des boutures pour faire plaisir en fait. Mon olivier, c'est la... vous voyez. Hein. Je sais pas si on va avoir des olives cette année, mais en tout cas il est fourni. C'est un des premiers arbres que j'ai planté ici. Là c'est un coin que je viens de refaire, que je vais appeler le coin Eco Plus. Pour l'instant j'ai mis 3 pieds de tomates dedans, c'est des graines d'Eco Plus récupérées dans des tomates cet hiver. Il y a aussi des petits marrons, mais ils n'ont pas l'air de sortir de terre pour l'instant. Il y a des fleurs ici, derrière il y a un noisetier, un gros noisetier, il y en a un autre dans le terrain, les figues qui continuent de grossir. Donc je m'attarde pas non plus 10 minutes par pied parce que sinon la vidéo va durer des heures. Aussi longue qu'une enquête paranormale. Là ce coin là, ça profite. Il y a de la butternut là-bas. Œillet d'Inde, tomate, butternut, tournesol géant. Encore une tomate ici. J'ai 3 variétés de menthe. Donc de la menthe pas sauvage mais traditionnelle. Ça c'est de la menthe chocolat. Et là-bas, menthe poivrée, pardon, excusez-moi. Et là-bas de la menthe chocolat. Que j'ai planté l'année dernière. Ça c'est mon pommier, mon golden, qui refait des fleurs. Alors que les fruits sont formés. Ça c'est bizarre. Il est bien chargé. Je les taille pas, je les laisse dans leur jus. Là il y a 6 carrés. Chaque enfant a son carré. Donc il y a de la mauvaise herbe enlevée. Hein. Il va falloir que je les motive un de ces 4. Ils ont mis de la pomme de terre, de la tomate, du céleri rave, du poivron. Alors là c'est un petit coin. Faut que j'enlève les mauvaises herbes aussi. Hein. C'est comme ma base, j'ai pas le temps de le faire hier parce qu'on a refait la cabane des enfants. On a triplé voire quadruplé de volume de surface. Il y
qui a un pied de tomate là-bas qui commence à être en fleur, du poivron, du petit marron. Ça c'est de la longue de Nice, je crois. Des pommes de terre. Là hier j'ai taillé les branches qui prennent un peu le soleil. Il y a deux petits pieds de tomates ici, je crois que c'est des tomates à l'ancienne. Ici il y a de la topinambour. Donc ça c'est un petit terrain que j'ai fait, je sais pas, on va dire un mètre sur un mètre peut-être, que j'ai laissé volontairement en jachère. Soleil se lève, il fait bon, il fait un peu lourd. Là aussi c'est en jachère. Ça bah, c'est une fleur de carotte qui commence à sortir. Donc, je vais pouvoir récupérer les graines. La mare, bah, elle est toujours un peu rouge avec l'argile, je pense, qui est tombée dedans. Donc, là hier on devait remettre la bâche, mais on n'a pas le temps quoi. Pas le temps. Là il y a juste deux pieds de tomates. Deux petits pieds de tomates. Les pommes de terre ici commencent à sortir. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est une technique qui est vachement bien. Parce que ça permet de récolter en fait des tomates sans retourner la... Des pommes de terre sans retourner la terre. Et en plus elles sont propres. Ça c'est vraiment top. Donc et puis tout ça bah, c'est pas perdu puisque l'année prochaine je pourrai le réutiliser dans le jardin. Un petit lézard là, pour une fois que j'arrive à en capter un. Il a pas l'air farouche comparé aux autres. Donc je pense qu'en taille de jardin on doit arriver à 400 mètres carrés, mais dessus il y a la mare, il y a pas mal d'allées. Je me suis amusé aussi à mettre des courges et des tomates au bord de la mare. Ça c'est un petit pont que j'ai fait, donc c'est pas un pont pour monter dessus, hein. C'est un pont d'ornement. Je pense à mettre des fraisiers dessus, des choses comme ça. Là on va aller dans... Alors ça c'est un framboisier mais qui fait des framboises oranges. Elles sont un peu plus grosses que les roses. Mon lilas. Il n'a plus de fleurs, c'est normal. Le petit coin courge, donc toute cette partie là, c'est des courges, donc courgettes, pâtissons, etc. Et toute cette partie là, c'est de la pomme de terre. Donc je m'étais fabriqué une petite serre comme ça là, à l'arrache, pour sauver quelques plants. Il n'y a plus rien dedans parce que j'ai tout sorti dehors, tout est là maintenant. Alors avant de vous montrer le milieu, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, on va continuer ici. Donc là il me reste cette petite partie encore où il n'y a rien. Là j'ai mis un pied de tomate, deux pieds de poivron et une fleur au bout. Et tout le reste, alors toute cette partie là c'est de la topinambour. Et jusque là, vous voyez, c'est de la pomme de terre qui commence à sortir. Là c'est un petit coin fleur. Ici il y a un peu de tout, tournesol géant, maïs multicolore, je crois que c'est un cherry là, où ça fait des fruits ça. Je m'en souviens plus, malheureusement. Là vous avez des fleurs d'ornement. J'ai essayé de faire des boutures de ça, pareil, pour en donner. Ça, c'est du goji. Donc ça fait des fruits qu'on peut manger. Là, c'est presque plein. Il y a un petit oiseau qui va me rendre visite. De la tomate, du maïs, de l'épinard là-bas. La courgette jaune qui commence à se former. Là, je vais pouvoir l'enlever, c'est donc là des tomates que j'ai entre guillemets repiquées. Il va falloir que j'enlève les mauvaises herbes parce qu'il y a de l'ortie. Et je vais pouvoir surtout enlever ça. Parce que vous voyez, elle a pris le gel. Le drageon, il faisait ça quand je mettais ici. Là. Et voilà, maintenant il fait
je dirais un bon 25 cm. Et je pense même qu'il y a des fleurs, donc je vais certainement avoir des légumes. J'ai beaucoup de tomates là qui rentrent en fleurs. Je viens de m'en apercevoir. On continue la visite. Donc ma petite forêt de tomates. J'avais fait ça l'année dernière, on va voir ce que ça donne. J'en ai vu très peu, mais je m'en occupais pas vraiment. Poivrons, tournesol géant, tomates, pommes de terre. Sous l'œil aguerri de Wilson. Là, c'est mon petit compost. Donc, tout ce qui est branches taillées, etc. Ça va ici. Là, mon petit coin bouture. Donc, j'ai des figuiers qui ont pris. J'ai de la pomme non greffée. J'essaye de faire des pousses de pâquerettes. De différentes choses. Du laurier, des plantes noires. Ce que j'ai prévu de demander à mes anciens collègues de Gilets jaunes s'il y en a qui voulaient. Un samedi, on se donne rendez-vous et puis je fais des dons à tous ceux avec qui j'ai partagé des samedis. Là, vous avez de la capucine, ici, là. Ça, c'est une salade que j'ai récoltée et que j'ai laissé la racine. Et vous voyez, elle se refait. Et la capucine, donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une fleur grimpante, une plante grimpante qui fait des fleurs. Et les fleurs, vous les mangez. Et ça a goût de radis. Ça pique un peu. Donc ça, c'est des fleurs. Ciboulette. Les aubergines font un peu grise mine parce que je les ai déplacées. Parce qu'elles étaient dans le bac, là. Et malheureusement, il y a des rats qui venaient en dessous. Donc du coup, les racines tombaient. Et elles ont pris beaucoup de retard. Donc je les ai changées de place. Ici, on a un kiwi. C'est un kiwi auto-fertile, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de mâles et femelles. Les fruits sont un peu plus petits, mais c'est un petit peu moins contraignant. Alors sinon, ici j'ai beaucoup de citrouilles qu'on appelle la Jack O. Donc c'est de la citrouille d'Halloween, typique. Là j'ai mis le pot là et ici du bambou noir, mais pour l'instant j'arrive pas à le faire partir. Donc j'ai mis un maïs pour occuper le bac. Donc tout ça c'est de la Jack O, hein, avec un pied de tomate. J'aime bien le style de jardin millimélo un peu, avec des mauvaises herbes. Donc à la fin de la vidéo, si j'y pense et si je trouve des images adéquates, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemblait avant. Alors là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tomates repiquées ici, même si c'est un peu tard maintenant. Là, c'est des fleurs, c'est des œillets de Chine. Citrouille. Alors ça, c'est de l'amarante. Alors l'amarante, j'en ai tout un... Je fais attention où je marche. J'en ai toute une collection ici. Alors l'amarante, c'est vachement bien puisque vous pouvez manger les feuilles comme des épinards. Il existe énormément de variétés différentes. Et vous pouvez aussi manger les graines. Donc c'est une plante qui devient grande, qui fait de l'ombre et qui... Tout est comestible. Là, j'ai du tournesol chocolat. Donc comme vous pouvez le voir, il est... Ça fait des fleurs en chocolat, mais c'est vraiment beaucoup plus petit qu'un pied traditionnel normal. Alors là, je suis super content parce que ce qu'il y a là, c'est la première fois que je teste et les graines, elles sont vraiment top. Je vous présente des pieds de cacahuètes. Donc j'ai essayé ça. On verra bien. Là, vous avez du petit marron. Du cornichon là-bas, encore des pieds de capucine. Donc ça, c'est des grimpantes. C'est encore plus énorme que les autres. Le coqueret du Pérou, il commence à rentrer en fleurs. Vous avez encore du poivron, d'autres pieds de tomates. Je garde beaucoup pour des amis, là. Pour pouvoir donner des lentilles. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de pieds de lentilles. Ah, j'entends parler. Ah, c'est un voisin. Des pieds de lentilles. Voilà à quoi ressemblent les lentilles. Les chayottes, la chayotte.
Là, c'est un petit coin tomate rescapée. On va appeler ça comme ça. Je sais même plus trop ce que j'ai, les amis. Hein. À force de faire, de refaire. Bah, ça a l'air d'être du petit marron. Alors, je trouve ça bizarre parce que j'en ai fait déjà là-bas. Par contre, ça, c'est du poivron du Marconi et du Debico. J'ai énormément de mal à réussir celui-là. Hein. Vraiment, vraiment du mal. Je me demande si d'ailleurs les pieds que j'avais, ils sont pas fait bouffer. Ça, c'est vraiment le problème. Quand vous n'avez pas une serre, il me reste des pieds de cornichon. Donc j'ai fait cette installation d'échelle pour que tous les grimpants montent dessus. Et ça sera vraiment top. Je pense que c'est assez résistant, je l'ai renforcé. Et je fais le... comme une... comment on dit... pas avec des bambous, de la déco, mais ça a un nom. Une tonnelle. Donc me faut encore du bambou, j'en ai pas assez. Il m'en reste ici, mais c'est que des petits. Donc pour l'histoire de cette mare, donc à la base, un sorcier avait dit qu'il y avait une source. On a creusé jusqu'à 2,50 m en début d'année. Pas de source. Donc voyant le temps passer et tout ça, bah, j'ai décidé d'investir dans une bâche pour pouvoir mettre de l'eau de pluie. Donc là j'attends qu'on attendait qu'elle se remplisse un peu pour remettre un petit peu la bâche, faire sa propre. Bon, il tombe pas assez d'eau, donc je pense qu'on va le faire bien avant que l'eau tombe complètement. Et les fraisiers ici, donc à la base on avait 6 pieds, on avait pris un par enfant. Ils n'ont pas donné de fraises l'année dernière, mais par contre on a eu énormément de boutures. Et puis vous voyez, c'est reparti, donc ça c'est encore des trucs que je vais pouvoir donner. Regardez, j'ai un pied de fraisier là. Et du coup, quand je les ai séparés pour les mettre là, ça va cœur. Il y en avait plus d'une trentaine, je crois. Ensuite, ça c'est je crois, gueules d'amour. L'année dernière, il y avait des jaunes dedans. Là, apparemment, ça tire plus sur le violet et le rose. Ici, encore, avec une pomme de terre, une courgette jaune. Et les cacahuètes, je pensais du coup les mettre là. Enlever les mauvaises herbes et les mettre là. Retourner un petit peu la terre et puis les laisser profiter ici. Tout ça, c'est du bambou qu'on a repiqué. Il y en a beaucoup de morts, mais il y en a qui ressortent. Vous voyez ? Et puis ben, on s'est amusé à faire des tests dans la glaise avec des fleurs. La mousse, on savait, enfin moi je savais pas qu'elle pouvait faire des petites fleurs. Donc c'est vraiment sympa. Même si elles sont. Les fleurs doivent faire 2 mm. Sinon, pour vous donner un petit ordre d'idée de l'enclos des poules, vous voyez. Les poteaux que vous voyez, c'est encore chez moi, derrière. Donc ouais, elles ont bien 200 mètres carrés. Là, j'ai bien dû oublier des choses. Bah, là, il y a des œillets d'Inde. C'est pour ça que j'en ai acheté, parce que les miens sont vraiment petits. Donc les cacahuètes, je vous ai montré. Les aubergines là-bas. Donc là, j'ai mis des graines de courge gourde. Donc ça se mange pas. Mais par contre, ça peut... on peut s'en servir comme déco. Il y en a un petit peu partout. Pour l'instant, il n'y a rien de levé. Donc le problème quand on fait des courges comme ça non comestibles, c'est que ça peut se... Alors là, c'est les dires de mon pépiniériste, hein, plus calé que moi. Ça peut polliniser les autres. Donc il ne faut pas garder les graines des courges de cette année parce que ça peut faire des variantes, quoi. Donc c'est pas cool. Bon ben voilà, j'espère avoir fait un tour complet pour les passionnés de jardin. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est tellement valorisant de faire ces légumes, de les manger. Et je vous parle pas des économies. On est en famille nombreuse comme ça.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de jardin vous aura plu, cette petite visite. J'ai bien pris mon temps, plus de 20 minutes juste pour une petite visite. Voilà, mais aujourd'hui, vu qu'il y a pas trop, je vais pas trop m'occuper à planter. Ça peut attendre mercredi selon moi pour beaucoup de choses. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo de jardin et de balade tranquillement. Pour ceux qui sont qui aiment ça et qui veulent voir un petit peu l'évolution. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Tchuss.